Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial action et un peu de Jiffy aussi. Donc c'est parti, j'ai pas acheté beaucoup de choses à Jiffy vu que franchement il y avait des belles choses d'Halloween, ils se sont améliorés, ils ont fait des bêtes de personnages grandeur nature, sorcières, citrouilles, comment on dit, ouais, un sorte de... épouvantail, je sais plus comment on dit, un monsieur citrouille, un immense truc. Ils ont fait une sorcière, des squelettes, c'est un truc de fou. Ils ont fait plein de trucs, mais moi j'ai pas pris beaucoup de choses vu que voilà quoi. En attendant l'aménagement de chez moi, donc c'est parti. Mes petits trucs, c'est chez Jiffy, donc j'ai pris cette petite lanterne. Lanterne, je vais vous montrer, elle est spéciale cette lanterne, elle m'a coûté je crois 3 ou 4 euros, je sais plus. Ah j'adore. Donc le petit interrupteur est là, je kiffe son rire, bien diabolique. Il y en a qui ne marchaient pas. J'avais peur que de me faire voir. Ah oui, et je crois que c'est resté allumé. Ouais, si on était dans le noir, ouais, c'est toujours allumé. Donc petite lanterne, attends, fais voir, est-ce que c'est bien éteint? Ouais, c'est éteint, là c'est bon, j'ai plus la lumière. Voilà, donc petite lanterne toute mignonne de citrouille qui rigole avec Happy Halloween et le petit interrupteur. Ouais, je crois que c'était 3 à 4 euros, je sais plus. Ensuite, j'ai pris cette belle cape en velours. C'est taille unique. Taille unique avec de la dentelle autour. Est-ce que je l'ouvre? Ah, et une bordure violette. Ouais. Et en dessous aussi, c'est violet. Est-ce que... Non, en dessous c'est en synthétique, on est d'accord. Et en bas il y a du blanc, il y a une bordure blanche. J'ai envie de l'ouvrir. Hein. J'ai envie de l'ouvrir, voir comment elle est. Elle m'a coûté pas cher, hein, je crois. 12,99 je crois. Hein. Elle est très belle. Il y a plein de déguisements, hein, franchement. Mais moi je voulais un truc très simple. Ouais, donc les bordures sont en dentelle, on est d'accord. J'ai pas la bordure blanche comme... Ah, elle est petite quand même. Hein. Elle est courte, la cape. D'accord. Donc, ouais, faut pas laver, nanana. T'as la capuche, t'as les dentelles autour, t'as les petits rubans pour faire le nœud, pour que ça tombe pas, hein, bien sûr. Elle est courte, hein, la cape, fais voir. Attends. Mais c'est joli, hein, ça fait... Fais voir, attends. Ouais, elle va jusqu'aux fesses, quoi. Jusqu'au bas du dos. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Ah oui. Et je crois qu'il y a un truc, là. Non? Attends. Est-ce qu'il y a un truc spécial pour la main, non? Non, c'est une cape toute simple. D'accord, ok. Ok, une cape... joliment simple en velours, tout simplement. Donc voilà, bel achat, tout simple. Hein. Ensuite, attends, qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, cape de sorcière, quoi. D'accord, scannez-moi, je sais pas pourquoi, ou pour retrouver l'article sur l'application. Ensuite, j'ai pris quelques porte-clés de l'été dernier, vu que ça va disparaître. Je me suis dit, je vais prendre maintenant. De la gamme VSL, essentiel. Essentiels. Ah ouais, l'eau décembre 2019. Depuis le confinement, hein, il y a des collections encore. Donc, une belle queue de sirène, bien glitter. Et un peu rose au pastel derrière. Très joli. À mettre attaché au sac à main. Ça aussi, ça fait plus Saint-Valentin, je dirais, vu que c'est couleur pêche. Et ouais, et le pompon il est couleur saumon. J'ai une couleur très... attends, on va voir comme ça, voilà.
Ah là, c'est mieux. Là, je pense qu'on a un peu plus la vraie couleur. Donc, le joli cœur coussinet Angleterre. Je crois que c'était dans les 2,99 ou... Et celui-ci, 4,99, était plus cher. Ça aussi, un joli porte-clés en fer doré. Ouais. En métal doré, je veux dire. D'une belle feuille. Un peu palmier, style palmier. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça aussi, 3,99, un truc comme ça. Ensuite, pour Jiffy, c'est fini. Je vais montrer quoi. Ah ouais. Je vais vous montrer les fringues que j'ai achetées à Action. C'est parti pour Action. Donc j'ai acheté ce beau pull en maille avec un bonhomme de neige. Let it snow. Avec la neige qui tombe sur le bonhomme de neige. Très joli. Et j'ai tout pris en XL bien sûr. Ça va. C'est un petit de la maille toute fine, quoi, toute simple. Ça va, ça fait pas trop grosse. Voilà quoi. Ensuite, un autre pull de Noël. Ah, j'adore. Je crois que depuis l'année dernière, j'en voulais qu'un seul des pulls de Noël. Mais je trouvais pas assez. Hein. Surtout à Primark, j'en trouvais pas assez. J'espère qu'ils ont fait une nouvelle collection. J'irai voir plus tard. Mais là, pour le moment, c'est Action et c'est dans les 7,90 quelque chose comme ça, le prix, si je me rappelle bien. Donc, j'ai pris la tête de cerf et le pull, il est bleu marine. Là, on voit noir, c'est pas normal. Il est bleu marine. On est d'accord. Attends, comment faire? Bon, voilà la vraie couleur. Ouais, bref, avec des flocons de neige, toujours en XL. Ensuite... J'ai pris ce pull zébré noir en moumoute. Cette fois, il est en moumoute. En mi-maille et mi-moumoute. Et toujours taille XL. Elle a l'air toute simple, là. Ça, c'est bien pour aller bosser ou pour autre chose. En plein hiver, bien quand il gèle, quoi. Ensuite, j'ai pris ce... Comment on dit? J'ai oublié le nom. T'as un nom spécial, là. Kirugumi, je sais plus le nom, des tenues ensemble, les ensembles comme ça en style moumoute. Donc j'ai pris couleur grise avec des étoiles blanches. Donc voilà l'aperçu porté avec bien sûr la capuche et les lacets, enfin les cordelettes avec. Donc, voilà, tout simple, toujours en XL pour être à l'aise hein, bien sûr. Ensuite, moi, j'aime bien les fringues, mais des fois, c'est mal rangé. Ils savent pas ranger les... Je sais pas, les vendeurs, des fois, ils ont du mal à ranger les fringues. Mais quand c'est en sachet, ça va, quoi. On peut trouver notre taille. Donc, j'ai pris aussi un pull moumoute, un peu long, d'ailleurs. Ça cache les fesses. Un moumoute blanche avec des sortes de frises. De frises. Attends, fais voir. Ah, voilà. Bien moumoute. J'aime bien. Toujours en XL, bien sûr. Ouais, ça, c'est un bon pull long. Ça va, il y a la bordure des manches. Ok. C'est toujours dans les... Attends. Je crois que... Il y avait un truc qui était plus cher. Je sais plus c'était lequel. Je crois que c'était le pull zébré. Bref, ensuite. Un pull rouge fin. En coton, bien sûr, tout simple. Écrit Merry Christmas, enfin Merry Xmas, donc avec un petit cerf et des cadeaux avec lui, très joliment porté. Il y avait aussi, je crois, du bleu marine avec un Papa Noël. Il y avait aussi un pull en maille avec un sort de Mère Noël. Enfin, moi j'ai préféré ceux-là, quoi, ces modèles-là. Ensuite, ah oui, il y avait la semaine d'Action. Et dans la semaine d'Action, il y avait plein de trucs en promo. Et celui-ci, il était à 8,90 au lieu de, je sais pas quoi, 12 euros, je crois. C'est un pantalon de sport pour femmes. Stretch, confortable. C'est quoi ça?
Je crois que c'est dry cool, ça veut dire anti-froid, je crois. Et ça, c'est aéré, peut-être, je crois. Ça veut dire que tu transpires pas dedans, d'accord? Et ça rafraîchit ou quoi? C'est quoi le truc? Ou anti-transpirant, ça doit être écrit hein, quelque part. On va voir. Ah voilà, bah voilà. Je me fatigue. Voilà. Sec et frais, donc anti-transpirant, enfin frais quoi. Voilà. Respirant, ouais, ça on sait. Aéré quoi. Stretch, on sait. Et confortable, on sait. Coupe confortable. Donc voilà, fais voir la matière. Ouais, c'est un sort de legging un peu pas silicone mais comme les maillots de bain là. Enfin bref, ensuite et bien sûr en noir. Il y avait aussi pour homme, il y avait le haut aussi, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Comme fringues, non. Est-ce que j'ai pris des trucs ici? Ah ben voilà. J'ai pris un jogging, enfin un jogging, une sorte de pyjama en velours bordeaux, couleur bordeaux. Donc le pantalon, ça coûtait dans les 4,70 € quelque chose. Et je suis dégoûtée parce que j'ai vu en ce moment même, il y avait l'ensemble. Genre, tu avais le suite avec la fermeture éclair et la capuche qui allait avec. Et c'était un ensemble, quoi, tout simplement, à 7,90 je crois, ou 10. 10, 12 €, je sais plus du tout, mais j'ai pas pris. Je me suis dit, j'ai déjà un truc, c'est bon. Donc voilà, j'aime beaucoup le bordeaux, donc j'ai pris direct. Ah, c'est super doux, hein. Très. Ouais, c'est velvet, voilà, velours. Petit velours. Bon, voilà. Ça, je suis très contente. Ensuite, j'ai pris ces leggings taille XL. Cette fois-ci. Je crois c'est. J'en avais déjà acheté un. Et il était à motif, je crois. Il était à motif. Ouais, il était à motif. Ouais, il était un peu. Ouais, voilà, léopard. Et celui-ci, il est. On voit pas bien. Ah, voilà. Il est à carreaux. Donc, voilà. Ça va être très joli pour l'hiver, ça. En plus, ça chauffe super bien, tellement c'est épais. Franchement, foncez-y, hein. C'est. Vous êtes très frileuse et tout, c'est super ça. Avec un joli pull qui cache les fesses, c'est parfait. C'est parfait. Franchement, c'est pas mal comme astuce pour s'habiller vite, mais joli. Quand t'es pressé, tu mets ça, quoi. Quand t'as pas le temps le matin et tout. Donc j'ai pris aussi un peu avec des croix. Une sorte de croix, des toiles, des croix, je sais pas du tout. Toujours taille XL. Ah, c'est très dur de trouver. Cette taille-là, donc j'ai pris direct. C'était dans les 4,79 un truc comme ça. Le prix, ensuite, c'était quoi d'autre? Décoration de Noël, un coussinet. Celui-ci, il est rose gold. Rose gold. Et il y avait aussi argenté aussi. Et bien sûr, tu l'accroches avec une belle corde. Voilà, et il y a des boules en bois là, des boules de bois. Ça, c'était pas cher, c'était dans les 1,60 €, je sais plus du tout. C'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Très coussiné, très, très joli. Attends. Comment voir la vraie couleur? C'est un peu rose, hein. On voit doré sur la caméra. Enfin, ouais, sur la caméra, quoi, mais sur la vidéo, mais c'est bien rose gold. Ensuite, ça, je vais mettre là. Une belle petite trousse holographique. J'aime beaucoup. C'était 1 €, trop pas cher. Et c'était la dernière. Je fais, vas-y, je prends, c'est trop beau. Ça, c'est encore mieux que ceux de Sephora. Hein. Très joli. Et c'est un peu ouais, cylindré. Enfin, pas cylindré. Comment on dit? Ouais, rectangulaire. Voilà, c'est mieux. Attends, voilà. Ouais, c'est bon. D'accord, ok. 1 €, je crois. Ensuite, est-ce que j'ai le ticket de caisse d'ailleurs au lieu de dire des conneries?
C'est toujours à la fin que je trouve mes tickets de caisse. Hein. Toujours. Donc, le déguisement, c'était bien 12,99. Ça, j'ai raison. Porte-clés feuilles, 3,99. Porte-clés pompons, 4,50. Et ceux de Jiffy, hein, bien sûr. Porte-clés sirène, 2,99. La lanterne... ah, c'est moins cher que ce que j'avais dit. 2,99, ouais. 2,90. Trop pas cher. Et moi, ce qui m'énerve, c'est le deal. À chaque fois que je fais en caisse, on me prend 10 centimes. J'y fais, je sais pas ce qu'ils ont. Ils aiment bien surtaxer les gens. Bref. Ouais, donc. Je continue action. Est-ce que j'ai... Voilà, le ticket de caisse est là. Enfin... Voilà, donc, ah voilà, les leggings thermiques, ça s'appelle, ben voilà, pourquoi j'avais chaud l'autre fois, là, 2,99, ah, c'est encore moins cher que ce que j'avais dit, ah, j'ai oublié de ramener la Sen Bouddha, oh là là, c'est pas grave, elle m'a coûté trop pas cher, il y a une petite Sen Bouddha comme ça, où tu mets le sable, les deux plantes, la petite statue de Bouddha, et un bougeoir rond, tu mets au milieu comme ça, et tu as le sable à verser à la fin. Tu avais des quelques petites cylindrées à son un peu clochette, enfin, un peu cloche, et le bois, enfin, style, ouais, j'aurais dû la ramener. Hein. Bref, il m'a coûté trop pas cher, j'ai les pris direct parce que ce genre de décoration japonaise. Et dans les 20-30 euros, quoi. 2,99, jamais vu. Jamais vu. La scène de Bouddha Jardin. Photo fort. J'aurais dû l'amener, hein. Je suis vraiment nulle. Ouais. Ensuite, ce que je voulais montrer, c'est... Ah, le suspens de Noël étoilé métallisé. 1,89, ça va. Ah, la battant. La battant WC. 4,95, c'est ça. Je vous le montre maintenant. C'est style plage et tout. Et coussinet. J'aime bien quand c'est coussinet comme ça. Bon, je l'ai pris vraiment au cas où. Au cas où. Le mien se pèterait. Comme ça, ça me fait une belle réserve d'un joli modèle, quoi. Vu que ce modèle-là, il va disparaître sûrement. Vu que ça fait très été. Ensuite. Je vais le mettre là-bas, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Il y a quoi d'autre? Attends. La trousse de toilette 1,59 holographique, d'accord. Ouais, c'était pas un euro. Legging thermique, ouais. Poêle mélange pour crêpes et Nutella 4,97, ouais, j'avoue. Mais c'était dans la semaine d'action de la semaine dernière. Pas de cette semaine. Donc, j'ai pris ça avec des Oreos, là. Et une préparation de brownie à faire avec la poêle en... Comment on dit? Il y a un nom de cette poêle, là. Quand c'est lourd comme ça, là. En laiton. Je sais plus comment on dit. Enfin, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Encore. Un pantalon de loisir. 4,97 la Bordeaux, d'accord. La nappe de Noël. La nappe de Noël, elle est là. Elle m'a coûté trop pas cher. 140 sur 200 cm. Nappe de table, non, non, non. Ça, j'ai hâte de la mettre. Ouais, je vais la mettre. Du coup, ouais, avec des petits rubans rouges et des houes. Ouais, il y a du hou. Et un petit truc. Ouais, les petits fruits du hou, bien empoisonnés, enfin, bien, je sais pas quoi. Il était à combien? Combien la nappe? Ah voilà, nappe de Noël, 99 centimes, trop pas cher. Ça, c'est pas mal. Ensuite, les leggings, c'est fait. Tiens, je vais mettre là-bas derrière. Voilà, ça c'est bon. Ça aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit
Pousse pousse glitter, j'appelle ça pousse pousse. Parfumé, ça doit être parfumé à la vanille. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est rose gold. J'en ai eu plein des comme ça, mais jamais eu en rose gold. Du coup, je l'ai pris direct. J'ai la rose, la fairy de Lush. J'ai la pailletée blanche aussi, silver aussi. J'en ai plein. J'ai même du Kiko et tout, mais j'ai jamais eu du rose gold de ma vie. Et je suis très contente parce que le rose gold est, ou limite pêche, c'est très. C'est mes couleurs préférées, quoi. C'est ce que je voulais. Donc, visage et corps. Très joli. Très, très joli. Et ça, c'était pas cher aussi. C'était dans les 1 euro, je crois. Voilà. Brumisateur 1,99. Face and Body brumisateur. D'accord. Oh, c'est génial. Top, top, top. J'ai pris ça Patek, de la marque Patex du silicone universel pour les bordures de lavabo, de tout quoi, le carrelage, le bazar, etc. Franchement, c'était à la caisse, quelqu'un a dû le laisser et en plus il est transparent. Je me suis dit, moi j'en aurais besoin si quelqu'un il le laisse et pourtant il n'a jamais été ouvert donc. Tout va bien, j'ai fait une bonne. Parce que ça, en boutique, ça doit être dans les 10 euros. Et ça, et moi, je l'ai eu à combien? Mastic Silicone Patex 2,99. Ça va. 3 euros, quoi. Ouais. Et j'aurais dû vraiment ramener mon truc, moi. Hein. Mon Bouddha de jardin. Très joli, spécial zen. Avec des râteaux pour gratter le sable et tout. Là, c'est trop beau. Ensuite. Donc, une petite caisse du deuxième action que j'ai fait avec les sortes de pulls que je vous ai montré. Donc, polyester, ouais, c'était dans les 7,99. Ah, le pull zébré animaux, 7,99 aussi. D'accord. Ah, je vais vous montrer les woks. Attends, faut voir les autres pulls. C'était lequel le plus cher? Ah, le pantalon de sport, 8,95 quand même. Et pourtant, c'était dans la semaine d'action. Ah non, il n'y a rien. D'accord. Ah, le pull de Noël, 8,99 aussi. Ok. Bah, c'est bon. Bref. Donc, je vais vous montrer les woks que j'ai achetés en granit. Ah mince. Voilà, c'est mieux. C'est parti. Ça a été dur hein, de transporter tout ça dans le bus là surtout. Donc on va aller du plus petit. Certains étaient à petit prix de la semaine action. La semaine d'action. Attends. Le petit wok revêtement pierre de marbre 3,99. Donc voilà. C'est spécial, hein? Le cook. Non? C'est écrit quoi? Recook? Je crois. Hein. Kitchen essentiel, bon, on s'en fout. Nanana. 16 cm. Très joli. Ça, c'est bien pour faire les sauces ou des petits œufs, des omelettes et même des pancakes, on dirait. On peut faire des pancakes là-dedans, mine de rien. Des pancakes soufflés. Ah, je verrai. Ensuite, la petite casserole aussi. La petite casserole, elle faisait partie de la. En fait, ces trois-là, la casserole, la poêle et le wok, faisaient partie de la semaine d'action. Franchement, foncez-y, ça finit mardi. Hein. Ce mardi, on est vendredi. Donc, faites vite parce que moi, j'ai pris l'avant-dernière casserole parce que l'autre, elle était abîmée. J'ai pris la moins abîmée des casseroles. Heureusement, je sais pas, elle était tordue, l'autre un peu creusée comme ça. J'ai fait super gaffe. C'est fou, les gens, ils ont dû faire tomber. Il y a un truc comme ça. Faut vraiment vérifier ce qu'on achète. Hein, c'est un truc de fou. T'es obligé, hein, tu peux pas acheter comme ça à l'aveuglette. Donc, la casserole, elle était à. Attends, revêtement pierre, ok. 4,95. Voilà, casserole 4,95. Oh, je suis contente. Voilà.
Et je pense que je vais jeter ou pas celles qui sont rayées chez moi. N'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. Enfin, si ça commence à trop se rayer là. J'ai vu que mon frère avait cuisiné un truc sur une poêle ancienne bien rayée, dégueulasse. Oh, j'ai même pas fait la vaisselle, je l'ai jeté direct, dégueulasse. Elle était trop. En fait, c'était tout noir et là, t'avais le métal qui ressortait au milieu, c'est pas top. Hein. Et en plus, c'est cancérigène de ce qu'ils disent. C'est très dangereux, ça va dans les nourritures. À chaque fois que tu cuis un truc, le métal va sur la nourriture et tu le bouffes, quoi. Tu l'ingurgites et tu te fais bousiller tout l'estomac et tout le bazar, quoi. Tout ton corps. Donc franchement, il faut changer vos casseroles, sérieusement. C'est vraiment mauvais pour la santé de pas changer quand elles sont abîmées, quoi. Même si économiquement on garde, mais c'est pas bien, quoi. Faut vraiment s'en débarrasser, faut pas avoir peur de se débarrasser, quoi. Et aller chez Action pour remplacer vos casseroles, quoi. Tellement c'est pas cher, parce que ce genre de casserole en granit marbré, franchement, c'est dans les 20 euros la pièce à Leclerc ou je sais pas où. Donc voilà, c'était un petit conseil de santé très important, enfin, qui me tient à cœur parce que ça peut jouer des mauvais tours sur votre corps, hein, de manger mauvais, quoi. Ensuite, donc la casserole c'est faite, la poêle 5,95, trop pas cher, toujours dans la semaine d'Action. Il y a un vendeur, il m'a saoulé là. Franchement, il y a des vendeurs un peu, je dirais un peu racistes ou feignants. Je leur dis, est-ce qu'il vous reste des casseroles et tout? Non, non, non. Et quand je vais en... Parce qu'elle est en train de ranger et tout. Mais quand je suis allée dans l'autre rayon de base, d'origine des casseroles. Parce que quand on entre à Action, tout est mélangé parce qu'il y a tout ce qui est la semaine d'Action. Tous les bas prix des articles. Donc il y avait des casseroles, des fringues, des trucs, des chocolats et tout. Tout est mélangé au début quand on arrive. Mais quand on va dans le rayon des cuisines, il y a encore les casseroles. Et ça a été gardé le prix de base alors qu'elles sont en promo. Elles sont en prix bas de la semaine d'Action. Et vu que c'est des feignants, certains vendeurs, je suis désolée, mais il y en a, ils veulent pas travailler, ils n'aiment pas leur travail ou leur rangement. Ils disent, ah bah non, il n'y en a plus, désolé. Désolé, mais il y en avait plein. Hein. Il y avait une pile de casseroles. Il restait, ok, une pile de poêle, je veux dire. Il restait encore plein de wok. Ça, il n'y a pas de problème. Je cherchais surtout ouais, la casserole. Là. Cette casserole-là. Ah, je suis contente. Il en restait deux. Donc, comme je vous ai dit, une abîmée et une. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était abîmé, mais non. Ça va. Non, ça va. C'était donc l'avant-dernière et qui n'était pas abîmée. Et heureusement, j'ai eu de la chance. Franchement, faites attention quand vous demandez un truc, vérifiez par vous-même. Les vendeurs ne savent toujours pas tout. J'ai l'impression de connaître mieux que les articles. C'est un truc de fou. Et franchement, foncez-y, n'ayez pas peur. Ne vous arrêtez pas au conseil des vendeurs. Regardez bien chaque étagère, chaque rayon. Tout est mélangé. Même ce que vous n'avez pas forcément besoin dans certains rayons, vous pouvez trouver un article que vous avez besoin comme par hasard. Comme par enchantement, c'est un truc de fou. Donc voilà. C'était ma petite astuce du jour pour éviter de désespérer pour rien. En dépendant d'un conseil d'un vendeur. Non, il ne faut pas dépendre des vendeurs. Dépendez de vous-même. Suivez votre instinct. Si vous connaissez les rayons par cœur à force d'aller à Action, bah, vous pouvez trouver ce que vous recherchez depuis longtemps. Et moi, c'est ce que je recherchais beaucoup. Hein, je suis allée aussi à Action. C'était où? C'était où? C'était pas le quartz, c'était à... J'ai oublié l'autre centre commercial. Ah, le millénaire. Je suis allée à Le Millénaire, il n'y avait plus ses poêles, il n'y avait plus aucun. Et moi qui voulais en prendre, bah, c'était raté. Hein. Et là, vraiment, j'ai retrouvé ces poêles-là entièrement, les quatre, du coup,
C'était à Fresnes. C'était le bordel et voilà. Donc ensuite, ouais, je suis dans dans le rayon banlieue parisienne, 94, etc. Donc je fais vraiment le tour pour trouver vraiment l'article que je souhaite, même s'il est en rupture. Ensuite, donc la poêle, je vous l'ai dit, il était à 5,95, trop pas cher, donc celle-là. Et le wok, il était à 6,95, trop pas cher, ça dépasse même pas les 10 euros. Vous vous rendez pas compte de la belle affaire que j'ai faite, vu que cela là, c'est parfois dans les, moi je dirais, tout le pack là, ça pourrait valoir dans les 50 euros ou plus en boutique, au centre commercial, Leclerc, Carrefour et compagnie, hein. Les grosses enseignes quoi, je veux dire. Donc voilà, ensuite la planche en bois que je vois d'ici, elle faisait aussi partie de la semaine d'action de la marque George Wilkinson 1931. Ce qui est marrant, c'est que elle est décorée de belles plantes, un peu jungle, bleu et verte. C'est très joli, j'ai trouvé ça très original. J'ai jamais eu de décoration sur mes planches en bois en plus. Combien la planche du coup? Planche. Ça spoil le tout mes articles, mais c'est pas grave. De toute façon, combien elle est? Attends, je cherche. La planche en bois. Non. Ah voilà, 3,99. Donc voilà. Je sais pas combien de réductions il y a eu, mais elle est bien épaisse, hein, pour une planche en bois. Donc voilà. Ensuite, donc un sac c'est fini, on va passer au dernier sac. Alors ça aussi, ça faisait partie de la semaine d'action à 1 euro je crois. Donc j'ai pris la gamelle pour animaux de Wonder Woman. Je pense pas que je vais servir ça pour le chat. Je vais mettre surtout des petits objets dedans, vu que j'adore Wonder Woman, j'aimerais pas le salir. Elle a déjà plein de gamelles, ma petite chatoune, donc elle n'a pas besoin de cette gamelle un peu trop spéciale, je dirais. Et j'ai peur qu'ils prennent ça pour des chiottes. Oh ouais, ce serait dommage. Donc la gamelle, elle valait combien? Ah si, à chaque fois il faut que je cherche, ça va être dur. Ah voilà, gamelle, 1,19. Donc voilà. Ensuite, je vais la mettre ici. Ça. Là, les petites sortes de Pringles, mais spécial popcorn. C'est pas des chips, donc j'ai pris au caramel salé. Caramel salé, et c'était 1 euro ça aussi, je crois. Voilà. 1,19. Ouais, ils sont tous 1,19. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris un autre d'une autre saveur. Au popcorn chocolat, truc de fou, on va goûter au chocolat au lait. Donc voilà, il n'y avait que deux saveurs, bah je les ai prises, hein, du coup, pour tester. Et je pense que c'est bon. Franchement, caramel salé, ça doit être pas mal. Je vais remettre là, du coup, tout ce qui est nourriture. Nourriture, ça aussi, le spécial brownie aux Oreos. Quoi d'autre? Ah, ensuite, j'ai pris des Milky Way. Vous savez, dans les célébrations paquets, où c'est mélangé des Mars, des Kit Kat, des Twix, des mini Twix et tout. Bah, vu qu'à chaque fois, mes préférés, c'est les Milky Way. Je sais pas si pour vous, c'est vos préférés. Ou pas, vous pouvez me le dire en commentaire, hein. J'aimerais bien savoir d'ailleurs c'est quoi vous préférez dans les Celebrity chocolat et tout. Moi c'est les Milky Way parce qu'elles sont bien mousseuses à l'intérieur, c'est trop bon, c'est de la mousse de lait, c'est indémodable, c'est super ancien comme marque, comme les autres d'ailleurs, mais ma préférée de tout le paquet à chaque fois c'est les Milky Way. J'en ai marre de choisir et du coup voilà,
tout est déjà dedans, quoi, au moins. J'ai pas à choisir. Ensuite, j'ai pris deux sortes, je crois, ouais, il y avait deux sortes de pâtes déjà préparées. Ouais, ça, des petites barquettes noires. Donc, une à la bolognaise, à mettre au micro-ondes 2 minutes. C'est des penne, je crois. Ouais, sort de tuyau, là. Et des raviolis à la sauce tomate et à la viande. 2 minutes aussi. Donc, voilà. Ça aussi, c'était pas cher, je crois. C'était... Attends, ravioli, nanana. Attends, c'est là. Ouais. Les Milky Way, je vous ai pas dit le prix. Milky Way, ah voilà, Milky Way, 1,69 le paquet. Des mini bars, et il y en a 14 dedans. Et comment s'appelle le... ce que j'ai montré, les pâtes. Les pâtes déjà préparées. Je crois que c'est les pastas. 1,99. Ouais, ça doit être ça. Je crois. Ensuite, l'huile. L'huile végétale à l'ail. Depuis le temps que je le recherchais, parce qu'il est toujours en rupture, ce truc-là. Tout le monde le prend. Et là, tu as des morceaux d'ail qui imprègnent l'huile. Du coup, ça, c'est pas mal pour cuire des... peu importe la bouffe, mais à la poêle. Faut faire à la poêle, parce que si tu fais en friteuse, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà, moi je croyais que c'était de l'huile d'olive. Non, c'est de l'huile végétale. Mais ça, on peut le faire à la maison. Hein. C'est une bonne idée de mettre des morceaux d'ail dedans. Donc, ce truc-là, il était à combien? Huile à l'ail, huile à l'ail. 1,95. D'accord. Ok, je vais mettre là. Ensuite, j'ai pris des nouilles de sorte. Donc, un pas de taille chicken aux nouilles. Ah, il y a les trucs, les indices de 3 piments. Donc, celle-ci, elle est légèrement pimentée. Vu qu'il n'y en a qu'une colorée. Et il faut mettre 2 minutes. D'accord. Et j'ai pris une autre sorte. On va voir. Ah, voilà. Celui-ci. Du coup, ça en fait deux. J'aime bien tester les nouveautés comme ça. Oh, saté, chicken, aux nouilles. Et légèrement pimenté aussi. 2 minutes aussi. Donc voilà. Hâte de goûter ces bazar. Ensuite, j'ai goûté un riz tout à l'heure sur le chemin du bus. Spécial Noël, ouais, sapin de Noël, quoi, tout simplement, au chocolat au lait, et à l'intérieur, beurre de cacahuète. C'est trop bon, super bon. Je me suis régalée tout à l'heure. Ah, ça m'a calé, hein. Le temps que je rentre et tout, j'avais faim, j'avais rien mangé le midi. Ça m'a bien aidé. Quoi. Ensuite, des petites amuse-bouches aux amandes et à la cajou. Et il y a aussi des dattes et des noix. Ouais, voilà, et noix, et avec amandes et noix cajou. Ouais, en fait, c'est des petits morceaux de dattes, c'est marrant ça. Je me suis dit, je vais tenter le coup. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Ah, des dattes séchées, quoi, c'est fou. Ouais, et j'ai pris un autre sorte. Il y en avait deux sortes, je me suis dit, je vais tenter les deux. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des cacahuètes là-dedans. Je suis censée arrêter les cacahuètes, mais bon, même dans les résines, il y en a, mais bon, c'est différent parce que là, c'est des cacahuètes entières. C'est mauvais pour le corps, hein, je vous le dis, hein, les cacahuètes, c'est très mauvais, c'est mauvais pour la thyroïde. Il y a plein de trucs qui sont mauvais pour la thyroïde, ça dérègle tout et on peut grossir pour un rien. Même si tu fais attention à ta bouffe, bah, tu grossis à cause de ce genre de bouffe aux cacahuètes. Sinon, les autres, ça va, ça passe. Parce qu'il y a des fruits mixés, donc il y a des... avec de grues de cacao, des fruits et des noix. Donc il y a des amandes. Les autres fruits, c'est quoi? Raisin sec, je crois. Des morceaux de cacao, des amandes. Des amandes nettoyées et non nettoyées. Et comment on dit, pelé, voilà, des amandes pelées, et t'as des cacahuètes pelées. S'il n'y avait pas les cacahuètes, ça aurait été mieux, mais bon,
Ensuite, j'ai pris, ah ouais, j'ai pris deux sortes de préparations. Il y en avait trois en tout. L'autre, j'ai pas aimé, c'était des penne à la carbonara là. Ça me saoule les pâtes au porc là. Je suis pas fan, en plus ils mettent pas ça au frais. Donc j'en ai pris un au basilic tomate des spaghettis et un des riz végétaux quoi. Du riz doré, ils disent ça. Aux légumes quoi, tout simplement. C'est des carottes. On dirait du riz cantonné de loin, mais non, c'est des carottes et des légumes quoi, des petits pois. Il y a quoi d'autre dedans? Il y a un autre. Ah oui, il faut mettre 2 minutes chacun. C'est quoi? Attends, je vais vous dire les ingrédients. Petit pois, ok. Où est le français? Ah voilà, riz aux légumes. Petit pois, huile de tournesol. Poivron rouge. Ah bah voilà. Carotte. Maïs. Ah d'accord. Poivre blanc. D'accord. Arôme naturel, tant mieux. Ouais. Gomme de gare, je sais pas c'est quoi. Enfin bon. De toute façon, j'en ai acheté qu'un. On mange pas ça tout le temps, mais c'est vraiment pour découvrir. Hein. Donc voilà, ensuite, une tablette de chocolat cheesecake à la fraise. Strawberry. Et j'ai hâte de goûter ça parce que ça ressemble au Lindt. Ils ont sorti aussi des gammes au chocolat, des tablettes de chocolat cheesecake, Oreo, cookies, je sais pas quoi, brownie aussi, ils ont sorti plein de trucs. Et je crois que Action, ça commence à en faire plein, mais je crois pas que ça soit fait exprès. En plus, c'est chocolat belge. C'est quelle marque ça? Chocofer? Non. Peut-être c'est Fairtrade. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la marque. Est-ce que ce serait marqué? Ah, c'est Fairtrade. La marque, c'est Fairtrade, on dirait. Belgique. Ok. Ensuite, je crois que c'est le dernier niveau bouffe. C'est la boisson Arizona, mais cette fois en pack. Comme un sort de pack de lait, là. Mon père va adorer. Moi, je sais que j'ai déjà bu, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si j'ai apprécié ou pas. Bon, après, c'était 1 euro, c'était pas cher. Hein. Je vais vous redire les prix, vraiment. Les Sunny Beats, c'était 1,69. Les cacahuètes et compagnie, amandes. Ensuite, Arizona Pastèque, 1,49. La bouteille, ça va. Il y a combien de litres là-dedans? 1,5. C'est pas mal. Ça change de la canette qui est seulement à 59 centimes. Je pense avoir vu 59 centimes tout à l'heure. J'en reviens. Ensuite, chocolat au lait. C'est quoi ça? Ouais, non, le popcorn chocolat au lait, j'ai dit. Nanana, pull de Noël. Ensuite, shirt, ouais, c'était presque tous. Nanana. Les trucs asiates, 1,69, je l'ai dit. L'huile à laver, je l'ai dit aussi. Ah, il était cher, hein, le Reese's au sapin de Noël. De sapin de Noël, 3,99. Ouais, je m'en souviens, il était cher. Le sac Action, bon, sac Action, 59 centimes, ça va. C'est du costaud. Ça, c'est vraiment, quand tu as fait des gros achats, ça te sert bien. La planche à découper, je l'ai dit. Ah, voilà. Chocofer, 1,69 la tablette. La tablette là-dedans. Ensuite, ah, les petits repas ready to eat, 1,29. C'était quoi ça? Je crois que c'était cela. Non, non. Non, ça c'était les pastas. Ready to eat, c'était quoi? Je sais même plus. Ah, c'est cela. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est pas cher, 1 euro. 1 euro, d'accord. Ok. Ouais. 1,29, pardon. Ensuite, gamelle, animaux, je l'ai dit. Nanana, c'est les 8, c'est bon. Bon, après, donc la bouffe, c'est fini. Ensuite,
Bon, je sors tout, hein. C'est le bazar. Et en plus, j'ai trouvé vraiment ce que je recherchais vraiment. Je recherchais surtout ce fameux coffret d'Ariel. Et je remercie beaucoup les youtubeuses qui ont fait des hauls. Parce que je pense que je l'aurais raté. Parce que j'en ai marre d'aller à Action et que je trouve pas ce que je veux. Forcément, sur les gammes Disney ou pas. J'ai enfin trouvé du Ariel. Et ça complète aussi avec les masques qu'ils ont sortis là. Comme ça, j'ai déjà Ariel comme ça. Et j'ai pris aussi Ariel, je crois, elle était à l'aloe vera, je crois, je sais plus du tout. Et là, j'ai pris Blanche-Neige. Elle est à l'acide hyaluronique. Donc voilà, rafraîchissante et hydratante. Enfin, je crois. Ouais. Enrichie, voilà. Et j'ai pris ce joli pack cadeau. Donc ça, c'est quoi? C'est un effervescent, je crois. T'as un body spray, d'accord. C'est un baume à lèvres, ça. Très mignon, très choupi. Et ça, c'est quoi? Un shower gel, donc gel douche. Très joli aussi. Oh, la boîte, elle est trop belle. Donc voilà, tout est écrit là. Et ce qui est dommage, qu'ils ne disent pas le parfum, bien sûr. L'arôme, quoi. Enfin, l'arôme. L'odeur. Ils ne le disent pas, hein. Ne convient pas, nanana. Brume corps. Pour elle, on s'en fout, ouais. C'est les conseils d'utilisation, on s'en fout, quoi. Ils disent pas le parfum. Bah, d'ailleurs, je vais le sentir avec vous. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce que j'étais allée, comme je vous ai dit, à... Comment ça s'appelle? À... Truc, là. Au centre commercial millénaire. Oh là là, ils ont tout pris, les gens. Il n'y a plus rien. J'avais trouvé que dalle, à part le truc des chiottes. Ça, là. Le truc aux étoiles de mer, là. Et coquillages. Et ça, j'ai hâte de savoir à quelle odeur c'est. Mince. Faut que j'aille doucement. Donc, ça, c'est un truc effervescent. Fais voir l'odeur. Effervescent, hein, ouais. Oh mon dieu, ça sent le... Ça sent les bonbons. Oh là là, c'est... Bonbon à la fraise, je sais plus. Oh, ça sent bon. Oh là là. Ah, vas-y, je sors tout. Je sors tout, on y va, c'est la folie. Y'a rien à perdre. Ah, ils sont scotchés, quoi. Ah ouais, pour qu'ils se déplacent pas, d'accord. Allez. Il y a des petites sortes de glue en dessous, d'accord. Voilà. Alors, le gel douche, est-ce qu'il a un opercule? Ouais, il a un opercule. Je peux pas l'ouvrir. Au moins le spray et le baume. Je vais vous dire s'ils sont bons. Est-ce qu'ils disent quelque chose? Un petit indice, je sais pas. Ah, ils sont bons. Attends, fais voir. On dirait du lait. Ah, c'est fleuri, j'aime bien. C'est fleuri, c'est joliment fleuri. Belle odeur fleurie. Ouais, c'est fleuri, mais petite fille. Je saurais pas dire quelle odeur, mais... Ouais, c'est fleuri, petite fille. Et c'est tout rose. Très joliment rose. Ça, je peux jeter. Hein. La boîte, je vais la garder. Très jolie. Trop jolie, même. Avec des jolis dessins d'Ariel. Très artistique, en plus. Très joli. Donc, ça, je remets dedans. Ça aussi. Le gel douche aussi. Et c'est ça que je vais... Attends, je vais voir comment c'est à l'intérieur. J'ouvre avec vous, hein. C'est un peu le bazar autour de moi, mais on s'en fout. Je vais ranger plus tard. Oh mon dieu, je connais cette odeur. C'est... Donc voilà, c'est tout blanc, hein, tout simple. Ça doit être bien transparent sur tes lèvres. Oh, ça me dit quelque chose, mince. Ouais, le candy, hein. Ça sent tout le candy, en fait.
Ça sent, je sais pas, c'est Candy Barba Papa, je sais pas c'est quoi. Ça sent la fête foraine. Ah, je sais pas. Ah, c'est dur à trouver l'odeur, le nom de l'odeur. Vous voulez mon bouchon? Ah, il est là. Il est joli le bouchon aussi. Ils disent quelque chose, non? Mermaids Need Water. Ils disent rien de particulier. En tout cas, c'est un très joli baume. Attends, je vais essayer de refermer. Voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai pris aussi ce baume à lèvres qui a apparemment pas été perlé, quoi, shine. Et Ariel est très jolie dessus, même là. C'est écrit quoi? Magical like a mermaid. Lip balm. Mermaids have more fun. Ça aussi, ils disent pas l'arôme, du coup. Je vais découvrir ça avec vous. Ça va bousiller l'image, mais c'est pas grave. Je vais voir, ouais. Je suis obligée. Hop. Ouais, ça va tout bousiller l'image, mais c'est pas grave. Alors, je vais voir l'odeur avec vous. Waouh! Waouh, c'est rose nacré, rose nacré, ouais. Oh là là, on voit mal, attends. Voilà, un fond blanc, c'est mieux. Je sais pas pourquoi, il a trop coloré ma caméra. Donc voilà, je swatche sur moi. Ouais, c'est très nacré, waouh, bah, coquillage, hein. Il porte bien son nom, hein. Ça fait coquillage nacré, quoi. Attends. Voilà. Je vais mettre sur fond blanc, c'est mieux apparemment. Ouais, j'ai un grain de beauté, on s'en fout. Waouh, très joliment nacré, hein. C'est pas. Ah si, c'est rose clair un peu. On voit pas très bien, mais. C'est très joli. Il n'y a pas d'odeur, je crois. Attends. Sur ma main. Je sais pas s'il y a. Et si, il y a une petite odeur, mais je sais pas si c'est. C'est joli, ça. C'est vraiment la discrétion. Pour les petites filles, c'est parfait, hein, ce rouge à lèvres. Enfin, ce baume à lèvres. Ouais, baume à lèvres, je dirais. Ben voilà. Ça me fait une belle collection de produits de beauté Ariel. Ça complète bien. Je vais mettre d'autres trucs dedans, hein, bien sûr. Donc voilà, très joli. J'ai pas abîmé l'image. Enfin bref. Ensuite. Ah, les derniers trucs. Donc ça, j'ai montré. J'ai pris, du coup, j'ai complété ma collection des The Beauty Depth. Voilà, j'ai pris tout ça. Et bien sûr, j'ai celle à la pastèque que j'ai utilisée. Franchement, c'est génial comme gommage. Le matin, quand tu veux te faire gommer tout le sébum que tu as accumulé toute la nuit. Moi, je sais que j'ai beaucoup de sébum qui est sorti sur la surface de mon visage. Et ça aide à tout enlever, quoi. Truc de fou. Donc, à la pastèque, c'était avec les graines de pastèque. Le truc, il était rouge, hein, bien sûr. Le produit. Et là, chaque produit, il sent super bon. L'autre, déjà, à la pastèque. Là, attends, je vais voir s'il sent bon. Celui-ci est à l'ananas, à la mangue, kiwi. Pamplemousse et noix de coco. J'ai tout pris, hein, vraiment de la collection. Je crois, je savais pas qu'il y aurait autant de fruits, trucs dans cette collection. Moi, je croyais qu'il y en avait que trois. Vu qu'à chaque fois que je voyais des youtubeuses prendre la coconut, la kiwi et la pastèque,
Et ben là, j'ai trois autres en plus. Ben, je pense que j'ai complété, hein. Je me demande s'il y en a d'autres, mais je crois que j'ai tout, hein. Ah ouais, ça sent vraiment l'ananas. Oh mon Dieu. Ouais, ça sent super bon. L'ananas, d'accord. Ça va, les odeurs sont respectées, hein. C'est, comme je vous ai dit, la celle dans mon autre vidéo. Celle que j'avais achetée à la pastèque sans. Bon, elle sent bon la pastèque, mais j'ai testé l'application Yuka et elle dit que ça va, quoi. Les produits ne sont pas si. Enfin, je crois. Sont pas tellement toxiques, sauf si, d'après ce que j'ai appris, Yuka se fait payer par des enseignes pour dire faussement que certains produits sont sains. Certaines de ces enseignes-là. Donc, on va savoir si celle-ci aussi. Hein. Oh mon Dieu, ça sent bon la mangue. Ouais. Ça va. Ça sent bon. Ça pue pas, quoi. Kiwi. Kiwi, ça sent. Ouais, ça va, c'est bon. Oh mince, je l'ai fait sortir en plus avec les graines et tout. Ah zut. Mince. Est-ce que je peux refaire tout rentrer? Ah ouais, j'ai réussi à refaire tout rentrer. Voilà. Ah, je l'utiliserai tout à l'heure comme ça sera pas gâché tout ce qui a dépassé. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ça va, ça légèrement fidèle au kiwi, à l'odeur de kiwi. Maintenant, pamplemousse, on va voir l'odeur. Ça va. Ça sent. Ça sent la, surtout la boisson ou pamplemousse. Ça va. Oh là là. Elles sont toutes bonnes, hein. Il n'y en a pas une pourrie. Attends, fais voir notre coco. Ah bah la noix de coco, elles sont limite l'été, hein. Il y a une pointe de vanille par contre. Non. Surtout noix de coco, ça sent le. Pas le bounty, mais le yaourt à la noix de coco. Donc voilà, je suis contente. J'ai complété ma collection. Et elles étaient pas chères, je crois, ouais, 99 centimes. Si je m'en rappelle bien, sauf si ça a augmenté. Ou non, je crois c'était pas 99 centimes. J'exagère, c'était 1,19 je crois. Attends, fais voir. Disney Princess Mask 99 centimes, donc la Blanche-Neige et Ariel que j'ai aussi de côté. Le kit, il était à 4,79 Ariel. 7 cadeaux, voilà, 4 pièces. Et les masques, ils étaient à. Ils sont où d'ailleurs? C'est vrai, ils sont où? Attends. Ah, c'est ça. 1,59. Visage fruit. The Beauty Depth. D'accord. Ben voilà. J'ai fini. Oh, super haul. J'en peux plus. Le prochain haul sera, bien sûr, mes achats de la Sephora Gold. Les journées Sephora Gold. Que je fais traditionnellement. Donc voilà. Pourquoi c'est flou? Voilà, là c'est mieux. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Franchement, foncez-y, profitez-en pour la semaine action, les promos et tout. Franchement, c'est finalement les youtubeuses, elles sont pas autant tout, hein, parce qu'il y en a qui réussissent à avoir que trois produits, mais ceux-là, ils n'existaient pas encore. Je les avais jamais vus de ma vie, j'ai pris quand même. Oh, j'ai pas hésité vu que en moi, dès que j'ai mis la première à la pastèque, oh, j'ai tout pris, hein. Faut pas hésiter, hein. Dès que tu as un produit bien, moi je prends toute la marque après. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bon shopping si vous y allez à Action et tout. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, allez dans d'autres actions. Franchement, ne désespérez pas. Faites,
Regardez sur Google Maps où il y en a, plus proche de chez vous ou pas, même si c'est loin. Moi, je fais le trajet, hein, il n'y a pas de problème. J'ai la Navigo, quoi. Je vais où je veux sur l'île de France. Donc, je suis vraiment très mobile, hein. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!